Dieu, viens à mon aide.
Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saint et sans péché devant sa face grâce à son amour. À la louange de ses gloires, il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Jésus le Christ, ainsi il a voulu sa bonté. Par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous, en toute intelligence et sagesse. À la louange de sa gloire, il nous dévoile ainsi le mystère. À leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, seul du ciel et seul de la terre. À la louange de sa gloire. De la première épître de Pierre. Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut, non par une misérable cupidité, mais par dévouement, sans commander en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Heureux le serviteur fidèle et vigilant que le maître a établi sur sa maison pour donner à chacun en temps voulu sa mesure de froment. Beatam
suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et similius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Heureux le serviteur fidèle et vigilant que le Maître a établi sur sa maison pour donner à chacun en temps voulu sa mesure de froment. Louons le Christ, le grand prêtre pris parmi les hommes pour intervenir en notre faveur, et prions-le. Tu as donné à ton Église des pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile. Accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. À la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as pardonné les péchés de ton peuple. À leur intercession, purifie l'Église aujourd'hui. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple et tu les as conduits par ton esprit. Donne ce même esprit à tous les pasteurs de ton Église. Toi, l'unique richesse des saints, ne permets pas qu'aucun homme sauvé par ton sang demeure loin de toi. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Toi qui donnes la vie au troupeau par la main de ses pasteurs, ne permets pas qu'aucun défunt se perde. Tu t'es livré pour eux, sauve-les. Ensemble, prions. Dieu notre Père, splendeur et gloire de tes élus, tu as sanctifié ce jour par la mort de l'évêque Saint-Germain.
accorde à ton Église l'appui de ses exemples et de ses mérites pour qu'elle trouve miséricorde auprès de toi et qu'elle puisse annoncer à tous les hommes les merveilles de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Amen.